Montréal, le 30 mars 1982. À la place des Arts, l'Orchestre symphonique de Montréal et son chef attitré et directeur artistique, Charles Dutoit, accueillent Madame Léontine Price. Grâce à ce concert enregistré sur le vif, nous serons témoins des grands moments de cette soirée, dont une partie des recettes sera versée au fonds de retraite des musiciens de l'orchestre. C'est dans une salle Wilfrid Pelletier archi-comble, où règne un très grand enthousiasme, que le public attend l'arrivée sur scène de celle que la critique new-yorkaise a surnommée la diva di tutte le dive, c'est-à-dire la diva de toutes les divas. Considérée mondialement comme étant une des plus grandes artistes lyriques de tous les temps, Léontine Price fit ses débuts au Metropolitan Opera House dans le rôle de Leonora dans Il Trovatore. Son interprétation lui a valu une ovation de 42 minutes, ce qui ne s'était jamais vu au Met. Décrite comme possédant le Stradivarius des voix, Madame Price est réputée pour faire toujours preuve d'une étonnante musicalité dans ses interprétations. Nous entendrons en premier lieu le fameux Comescoglio de l'opéra Così fan tutte de Mozart, l'un des airs les plus difficiles de tout le répertoire. Et la voici qui fait son entrée sur la scène de la salle Wilfrid Pelletier.
Leontine Price vient de chanter le célèbre Come Scoglio de Così fan tutte de Mozart. Et ce sera maintenant l'air le plus connu de l'opéra Hernani de Verdi, Hernani, Hernani, In Volami.
Le public de la salle Wilfrid Pelletier applaudit chaleureusement le soprano Leontine Price qui vient d'interpréter une des plus belles pages de l'opéra Hernani de Verdi. Madame Price nous reviendra dans quelques instants. Pour le moment, Charles Dutoit dirige les musiciens de l'OSM dans la suite symphonique de Robert Russell Bennett d'après les airs de l'opéra Porgy and Bess de George Gershwin. Thank you.
Suite symphonique de Robert Russell Bennett d'après les airs de l'opéra Porgy and Bess de George Gershwin, joué avec un entrain irrésistible par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Charles Dutoit, qui vient d'être proclamé artiste de l'année par le Conseil canadien de la musique et grand Montréalais de l'année. Rappelons que lui et les musiciens de l'orchestre ont reçu pour le disque de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros, et récemment Charles Dutoit recevait le prix mondial du disque de Montreux. Et parlant de l'enregistrement de Daphnis et Chloé réalisé par la firme Decca de Londres en l'église historique de Saint-Eustache près de Montréal, le Manchester Guardian a écrit « Decca a déniché le meilleur orchestre français du monde ». Eh bien, nous aurons maintenant le plaisir de voir et d'entendre le soprano Leontine Price interpréter justement un extrait de cet opéra de Gershwin, Porgy and Bess, l'air intitulé « My Man's Gone Now ».
C'était My Man's Gone Now, chanté par le soprano Leontine Price, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit. Et le chef d'orchestre Charles Dutoit accompagne Madame Price, qui va commencer la deuxième partie de ce concert avec un autre air célèbre, un air qu'elle a chanté sur toutes les scènes du monde. Un bel di vedremo de l'opéra Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Un bel di vedremo de Madama Butterfly de Puccini, interprété par Leontine Price. Le public applaudit avec enthousiasme
la grande artiste lyrique qui va nous offrir maintenant le Pace Pace Mio Dio de la Forza del Destino de Giuseppe Verdi. Thank you.
Pace, pace mio Dio, de la force du destin de Giuseppe Verdi. Madame Price, répétons-le, a été nommée la diva de tutte le dive. Eh bien, ce soir, la diva des divas nous montre pourquoi elle a mérité ce grand titre. On ne compte plus les rôles qu'elle interprète à la scène, elle à qui on accorda pas moins de 7 rôles différents dès sa première saison au Met, il y a 30 ans. Et pour faire suite, au mio bambino caro de l'opéra Giannis Kiki de Giacomo Puccini. C'est un public en délire qui acclame Madame Leontine Price, qui vient d'interpréter O mio bambino caro de l'opéra Giannis Kiki de Puccini. Et l'œuvre suivante ne peut nous laisser indifférents. Comment faire davantage plaisir à son vibrant public de la place des Arts de Montréal? Elle chante maintenant le Vici d'arte de l'opéra La Tosca de Puccini. Sei con me, sei da cielo.
Eh bien, c'est par le Vici d'Arte de l'opéra La Tosca de Giacomo Puccini, interprété par Madame Leontine Price, accompagnée par l'Orchestre Symphonique de Montréal, sous la direction de son chef attitré et directeur artistique Charles Dutoit, que se termine ce concert enregistré sur le vif à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts de Montréal le 30 mars 1982. Oui, ce fut un concert inoubliable avec le grand soprano américain Leontine Price, très ému devant ce public qui l'acclame, qui la réclame, mais que nous aurons peut-être l'occasion d'entendre sous peu, sur disque, avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit.